Dans le reste de l'actualité, dans le Loiret, 3000 teufeurs se sont donné rendez-vous dès vendredi soir à Dordives dans une usine désaffectée. Tout s'est terminé dans l'après-midi. Aujourd'hui, s'il s'agissait bien d'une occupation illégale d'un site, tout s'est passé sans encombre avec une organisation bien huilée sur place. Lila Faf, Yves Leblois. Une soirée d'Halloween sur de la musique techno. Décor, déguisement. À la free party de Dordives, les teufeurs fêtent les morts. Une fête de 48 heures dans un hangar désaffecté, transformé en boîte de nuit géante. Trois scènes, trois murs de son, trois ambiances. Les gros moyens sont de sortie et pour les organisateurs, la fête semble réussie. Depuis le début de l'événement, on n'a aucun problème sur le site. Tout se passe très bien, le public est convivial, chaleureux, bon enfant. Et on n'est pas déçus, nous, en tant qu'organisateurs, du coup, de l'événement et du public qui est venu. L'ambiance est festive. Et pour que la fête soit encore plus belle, un stand de prévention est à disposition des teufeurs. Un espace pour s'informer et échanger. On est vraiment au cœur de l'événement. Du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un œil sur les pratiques à risque des gens et de pouvoir intervenir directement auprès d'eux quand on voit un comportement qui pour nous peut amener des risques, c'est-à-dire que ce soit la consommation de drogue ou d'alcool ou par rapport au son, les oreilles, on a aussi des bouchons d'oreilles. Avec environ 3000 teufeurs, Dordives double sa population le temps d'un week-end. Dans le village, l'arrivée de ces jeunes est bien accueillie par les commerçants. Nous, c'est la campagne ici. Et ça fait travailler tout le monde, les commerçants, c'est superbe. Ça se passe très bien, on voit beaucoup de jeunes, ils s'amusent, ils rigolent, ils se promènent. La free party a duré toute la nuit pour se terminer dans l'après-midi. Deux jours de danse effrénée, avec des DJ surchauffés, pour faire la fête en toute liberté.